seul. Vous savez, tout n'est pas si rose dans la vie. Tout ne fonctionne pas comme vous voulez. J'aimerais que les vidéos continuent, mais la vie c'est incertain. Et c'est dur. Le monde sur les réseaux n'est pas facile. Et certainement que moi et Jessica n'avons pas le même niveau d'intérêt. Pas les mêmes attentes. Mais la vie continue, vous savez. Depuis un moment, le feeling entre moi et Jessica ne passe plus. Et je vous explique pourquoi. Vous vous rappelez comment ça a commencé? C'était vers ici, vers les Tuileries. D'ailleurs, on s'y rapproche. J'ai préféré parler directement facecam dehors que rester chez moi et vous déblater une histoire et sans mouvement quoi. Faut sortir du silence, vous avez tellement bombardé dans les commentaires de où est Jessica, Jessica, on veut Jessica, qu'à un moment donné je suis obligé de parler, je suis obligé. Je vais pas laisser ça filer comme ça et je sens que à l'avenir vous allez continuer à me rabattre ça, donc il fallait tôt ou tard que j'en parle. Ouais, moi et Jessica, c'est fini. Mais prenez pas le sens couple parce qu'on n'était pas en couple. C'est plutôt fini notre relation. Pour l'instant, en tout cas. Je sais pas qu'est-ce que ça va devenir par la suite. Mais on ne se côtoie plus, on ne se parle plus. Elle fait sa vie, j'ai la mienne. Et voilà. Je sais que vous kiffez les vlogs avec Jessica, mais à un moment donné, la vie suit son cours. Et les vidéos, c'est autre chose. Voilà. Il n'y avait rien entre moi et Jessica. On était juste bien ensemble. On partageait juste des bons moments ensemble quand vous partagez parce que vous voulez savoir quelle tournure ça allait prendre. Mais il n'y a jamais vraiment rien eu entre moi et Jessica. C'était vraiment pour le kiff. On s'amusait, on passait de bons moments, on mangeait ensemble, on allait regarder des films. Mais sans plus. Elle avait sa vie et j'avais la mienne. Je sais que la dernière fois que j'ai parlé à Jessica, c'était au téléphone. Et sans vous mentir, ça s'est mal passé. Ça va faire peut-être 2 mois maintenant qu'on ne s'est pas parlé, on ne se calcule plus. Mais c'est par rapport à un simple appel. Je vais vous expliquer en bref ce qui s'est passé. En gros, Jessica avait pris des congés. Et elle devait venir sur Paris. Du coup, elle m'a appelé. Allô? Ouais, ça va, tu vas bien, qu'est-ce que tu fais? Patati patata. Ouais, du coup, moi, je viens sur Paris ce week-end. J'ai pris des congés à mon travail. Et du coup, si tu veux, on peut se voir. Je vous rappelle qu'en ce moment, elle est à Toulouse. Donc je lui dis quoi? Je lui dis, ok, y a pas de souci. Ben, quand t'arrives, vas-y, on va se voir. Elle dit, ok, y a pas de souci, on se voit, patati patata. Elle arrive sur Paris pendant un week-end de 4 à 5 jours. Et sur les 5 jours, il n'y a pas un jour où on s'est vu. Je lui ai envoyé un message au courant de ces 5 jours. En lui demandant, c'est comment? Parce que de base, on était censé se voir. Quand j'ai envoyé ce message-là, c'est parce que ça faisait long pour moi. Je vais pas vous mentir. Tu me dis qu'on va se voir et 3 jours défilent et on s'est toujours pas vu. De base, elle devait rester jusqu'à dimanche, je crois. Et on était déjà samedi. Donc ça me posait un peu problème. Meuf, tu me dis que tu veux me voir. Mais au final, tu m'envoies ni message ni rien pour me dire c'est comment. C'est moi qui est obligé de t'envoyer c'est comment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai compris qu'elle s'en foutait un peu, qu'elle voulait pas me voir au final. Elle avait pas plus d'intérêt que ça à me voir. Donc du coup, j'ai laissé tomber. Mais moi, on prend pas pour un con. Tu me dis un truc, tu le fais. Moi, je tiens mes paroles. Quand je fais quelque chose, je le fais vraiment. Dès qu'elle a fini son séjour sur Paris, je l'ai appelé. Un simple appel pour savoir comment ça allait. Elle m'a dit que ça allait bien et que elle était un peu malade. Donc du coup, je lui ai demandé juste après comment était son séjour sur Paris. Elle m'a dit que ça s'était mal passé, qu'elle a eu beaucoup de problèmes, etc., etc. Ok, je lui ai dit ok. Et maintenant, je lui ai dit, on ne devait pas se voir par hasard? Bah oui, parce que ça, c'est le détail le plus important de la discussion. Fallait que je sache. Et elle m'a dit que si, mais... Il n'y a pas que moi qu'elle n'a pas vu, il y a plusieurs personnes qu'elle n'a pas vu, patati patata. Je lui ai dit, mais attends, on était censé se voir, on est bien d'accord. Tu m'as appelé et
En partie, on a parlé de ça la dernière fois. On m'a dit oui, c'est vrai, mais il y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu ça. Ok. Moi, j'aime pas qu'on se fout de ma gueule et qu'on manque de respect parce que ce qu'elle sait pas, c'est que quand tu vas en soirée, tu prévois d'aller en soirée, tu vas en soirée ou tu prévois d'aller voir des potes et que tu les vois. Je suis désolé, les gars, mais t'as prévu de me voir, mais tu me vois pas. Ça manque de respect, donc je lui ai dit, écoute, si c'est comme ça que tu procèdes, ben la prochaine fois que tu m'appelles, me dis pas que tu veux me voir, ça sert à rien. Et elle a commencé à s'énerver. Quoi, comment ça hein? Ben ok, vas-y alors, mais si tu veux, hein? Et elle a raccroché. C'est vraiment bref ce que je vous raconte, parce que vous voyez, il y a plein de trucs qui se sont dit, et que je peux pas divulguer, mais en gros, voilà. C'est, si vous avez compris un peu l'histoire, c'est ça. Et c'est la dernière fois qu'on s'est parlé. Après ça, je suis désolé, mais moi, je parle pas à une personne qui me raccroche au nez. Je parle pas à une personne qui m'invente des excuses pour ma part, entre guillemets, bidon. Parce que si tu as le temps d'aller en soirée, ou si tu as le temps d'aller au centre-ville et passer des bons moments avec tes potos, et que tu me dises au téléphone que ouais, on doit se voir et qu'au final, on se voit pas, je trouve que c'est un gros manque de respect, je le répète et je le répète encore. Ouais, c'est un gros manque de respect, ouais, ça me saoule. Donc voilà, la dernière fois qu'on s'est appelé, la dernière fois qu'on s'est parlé. Et je crois que ça va rester comme ça. Donc les gars, il va falloir arrêter de mettre Jessica, parce qu'il n'y a plus de Jessica. Jessica ne sera plus dans mes vlogs. Jessica fait sa vie. Je souhaite que du bonheur. Je souhaite de vivre sa meilleure life. Je souhaite qu'il n'y ait pas de problème avec elle. Je lui souhaite qu'elle soit en bonne santé, que sa famille aille bien. Que où elle est, ça aille bien, qu'elle s'en sorte dans sa vie. Mais désolé, mais il y a des choses avec moi qui passent pas. Donc voilà.